Question de Steelers. Je connais pas lui. Non plus. What's up guys? Bienvenue dans l'abdo d'aujourd'hui. Je suis effectivement pas dans mon décor parce que j'ai un invité spécial dans l'abdo aujourd'hui. Mon cher... Allô! Aujourd'hui, on va jouer à un jeu particulier. C'est le jeu que tu préfères. Le meilleur! Le meilleur! Le meilleur jeu de société. Un jeu fait par Steelers dans lequel je suis. Voici le jeu. Il y a deux versions. La version familiale et la version du temps et plus. Si vous voulez vous procurer le jeu, vous pouvez le trouver dans toutes les librairies sont là. Magasins de jeux. Je vais vous laisser des liens en description. Vous irez voir ça si ça vous tente. Sinon, aujourd'hui, on vous a concocté, choisi personnellement nos 6 cartes préférées. Ah ouais. Pour cette vidéo-ci, on a 6 autres pour une vidéo qui va aller sur la chaîne à Steelers aussi que vous pouvez aller voir en description. On est prêt. On a en 2019 de quoi de nouveau? Une caméra qui vous montre la carte en question quand on va la dire après l'avoir lue pour que vous puissiez la lire aussi à la maison. Et jouer avec nous dans les commentaires. Exactement. Ouais, je vais commencer. Je vais prendre l'honneur vu que c'est ma chaîne. Première question. C'est ta question. Est-ce que tu préfères te faire éclater les dents sur le bord du trottoir ou te faire plier les deux genoux à l'envers? Celle-là est bonne, ça. C'est pour ça que je l'ai choisi. Des genoux, ça plie pas à l'envers, mais je vais être honnête avec toi. Je veux dire, mon métier, c'est d'être chômeur devant un ordinateur. Donc, même si mes pieds seraient pétés, on dirait que j'aurais moins que mes dents, man. Mes dents éclatées sur le bord de... Oh, man. Mais ça se refait. Les genoux pliés. Ah, oh, ça, ben ça... Non, non. Pète-moi les genoux à l'envers, man. Je suis debout, là. Clac, clac! C'est dégueulasse. Non, je préfère mes genoux péter à l'envers. Au pire, je vais avoir des petites douleurs aux genoux et tout. C'est peut-être pas le fun, mais des dents défoncées sur le bord d'un trottoir. T'as un dentier, là. C'est un... Ah, oh, la mets sur le bord là, pis tau! Oh non, 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 fuck that, fuck that, fuck that. Faut que je me change les idées, je te pose tout de suite une question. Sure. Pose! C'est-tu qui, lui? Ma question. Donc, Pose te demande, ne plus jamais ressentir quelque chose en ayant du sexe ou peser 200 livres de plus demain matin? Pense que je prendrais peser 200 livres de plus. Ouais. Parce que tu peux toujours le perdre. C'est vrai. 200 livres de plus qu'en ce moment, ça me met quand même à près de 400 livres. Ce qui est... Ouais, moi ça... Ce qui est considérable. Moi je dépasse les 400 livres. Mais 400 livres, c'est... Ce que je trouvais drôle, c'est que dans les deux cas, t'as plus de sexe. C'est ça. Dans les deux cas, il y a plus grand pire à ce sport, c'est ça. Donc, t'es plus grand stimulé. Mais, tu préférerais avoir 200 livres? Ouais, parce mais que... Mais j'avoue que t'es sportif. Mais c'est ça, je peux leur perdre. Je pense. Si c'est fini, down there, c'est fini, tu comprends? Ouais, il y a plus rien qui se passe. Puis là, c'est GG. Non, je pense... C'est poche. Parce que tu sais quoi? Même toi-même, tout seul, tu sais, quand tu t'es stressé puis tu veux te libérer... Tu veux dormir, là, mettons. Tu sais, ouais. Tu pourrais même pas, ce serait... Non, ouais, je pense que je vais prendre 200 livres puis je vais aller m'acheter chez, genre... Fitness Club, toute la quête. Ouais, ouais. T'es-tu prêt? Yes! Ok, on va varier un peu. Oh! Une question de Avec Simon. Ok. Préfères-tu... Cela est bonne. Ok. Te faire un paper cut sur le gland ou te faire électrocuter les couilles avec un taser gun? Non! Non, non, non! Moi, je réponds pas. Alors, pas besoin de répondre, je vais pas répondre. Je te laisse avec le problème. Dude, je sais pas. Est-ce que t'as des enfants encore si tu te fais taser les... Je pense ça brûle tout, hein. Ça coupe les circuits, là. Je le sonde d'un taser m'effraie. Les policiers ont pas le choix dans leur entraînement d'essayer. Ils disent que c'est la chose la plus désagréable qu'ils ont pu ressentir de leur vie. Sur le chest, là! Imagine, imagine là. Pas dans le sac. Le plus vulnérable sur Terre. Hey, je pense que je vais prendre un paper cut. Oh! Ah, je pense que je vais prendre un paper cut. Oh! Ça guérit pas cette affaire-là. Ben oui, ça guérit. Oh! Ça guérit pas. Il y a du monde qui font des affaires bien pires avec leur sac. Oh, je veux pas savoir. Je veux pas. Garde-le pour toi, Garde, va prendre James C. qui te demande avoir $1 milliard dans 20 ans ou avoir $1 million là. Ouh! Pense, je dirais que le 1 million tout de suite, moi. Moi, je vais t'expliquer, moi, mon choix, là, je prendrais le 1 million. Pourquoi? Tu mets $1 million et juste avec l'intérêt, tu peux rouler sur beaucoup d'argent par année. Ouais, ouais. Longtemps. C'est vrai. Puis 1 milliard, c'est un peu trop d'argent, ça. Dans 20 ans. C'est beaucoup. 1 milliard, c'est comme, genre, t'as rien, puis là, tout d'un coup, paf, 1 milliard. Je vais probablement mourir après un an d'avoir dépensé sur un yacht, un plane de 45 kilos de cocaïne. On va tricher, je me suis fourré, fait que... J'ai oublié de la mettre là. Oui, toi, prose du montage, je me suis fourré, j'ai oublié de mettre la carte. Fait qu'au pire, tu feras une boucle. Hein? Et là, c'est une image fixe là, qui est ici. Là. Tu feras une boucle, t'apprendras comme si je l'avais mis. Moi, je la laisse dans la vidéo, ça.
Fuck you. Ah ouais, vas-y. Une question de Rosalie. Préfères-tu connaître ton avenir ou te souvenir parfaitement de tous les détails de ton passé? Regarde, je pense que je vais prendre vite comme ça, là. Me souvenir parfaitement de tous les détails de mon passé, ça peut être parfois très intéressant, parfois triste, ouais. Mais ça doit être plate connaître son avenir. C'est ça. Un peu de surprise. Pis c'est le fun de te rappeler tout. Tu vas te rappeler des détails que tu t'oublierais. Ton premier bec. C'est ça, c'est. C'est ça. Juste ça qui m'intéresse. En fait, j'ai vraiment oublié. J'aimerais ça m'en rappeler. Je vais pas aller trop loin. Là, c'était une question de Rosalie. Ben, j'en ai une de Rosalie aussi. Ok, ben, continue. On enchaîne. Rosalie in the house. Elle te demande, tu préfères te cogner le petit orteil sur un meuble chaque fois que quelqu'un dit ton nom ou devoir lécher tes 10 doigts chaque fois que tu finis une phrase? J'ai pris le temps. Il y en a un qui t'aurait juste l'air weird. Tu sais, c'est comme salut chérie, ça va? Non, mais si tu deviens bon, ok? Mettons, ça fait comme un an et demi, tu deviens bon, mané, quelqu'un parle, puis là, tu fais. Ça a l'air bizarre. Super vite. Je pense que je prendrais quand même le petit orteil. C'est vraiment chiant, mais comme t'as pas besoin de m'appeler par mon prénom. Tu peux dire, hey, peux-tu aller me chercher ça? Dire à ton entourage de plus te dire ton nom. C'est ça. J'ai plus de nom, appelez-moi plus jamais. Non. Donc, mais sinon, ça fait très mal. Ouais. Donc, Prose te demande, être capable de te téléporter ou être capable de lire dans les pensées? L'affaire avec cette question-là, lire dans les pensées, c'est pas toujours positif. Non. Tu sais tout le temps ce que tout le monde pense de toi. Ça peut être curieux. Ça peut être très avantageux pour toi. Oui. Comme ça peut... Ça vient avec, t'as pas le choix, c'est pas toi qui vas choisir. C'est ça. Mais se téléporter, là, ouf. À quel point on se téléporte, je sais pas. C'est pas comme si tu me dis, je claque doigts, je suis à Rome. Ok, si c'est... quelques kilomètres aussi, mais même à ça, je pense que t'sais, se téléporter, qui voudrait pas? Là. Tous les transports dans ta vie, là, fini. Ben, j'aurais quand même un véhicule parce que c'est cool conduire. C'est sweet! Téléporter, c'est fucking sweet! T'es un champion! Mais faut pas que tu téléportes quand t'es fatigué, par contre, parce que tu risques d'apparaître dans le corps de quelqu'un d'autre. C'est ça, je me suis demandé, tu sais, téléporte, y a-tu comme un side effect de comme tu téléportes dans quelque chose, dans un mur? C'est comme, tu sais, c'est ça! T'es à moitié dans quelqu'un d'autre, pis tu comprends rien, pis le sang est en train de crever. C'est ça! C'est à ton tour. C'est à mon tour? Ouais, ouais, ouais. Super. C'est une question de toi. Steelers, est-ce que tu préfères subir une chirurgie sans anesthésie, tu t'en rappelles, hein? Ouais, m'en rappelle. Ou te faire kidnapper et maltraiter pendant une semaine? Je vais prendre la chirurgie sans anesthésie, ça doit être épouvantable, mais te faire kidnapper, t'es chez quelqu'un que tu connais pas, tu l'as, je sais pas, t'es dans son sous-sol, puis il descend les marches, t'entends les marches craquer, tu sais qu'il s'en vient, ce que tu ressens. C'est un traumatisme profond. Ah, oh, man, okay. Ça, après ça, là, tu t'en tournes chez toi, là, chaque bruit doit te rappeler ce moment-là où ce qu'il venait te mettre les doigts entre les pinces, genre, je sais pas, peu importe ce qu'ils peuvent faire pour te maltraiter, là, ouais, on oublie ça. Là. Donc, on va finir par toi. Donc là, on va passer à Emma Bossé. Alors, elle te demande, ne plus jamais fêter Noël ou ne plus jamais fêter ton anniversaire? J'aime mon anniversaire. What? Ouais. Moi, c'est le contraire. Moi, c'est Noël. J'aime pas tant Noël. J'aime une fête de stress. J'aime l'ambiance, mais je trouve que c'est stressant Noël. Ah ouais? Faut que t'ailles à des soupers, faut que t'achètes des cadeaux, on dirait que tu sens des obligations, faut que t'en sois comme partout. Ouais, c'est vrai. Cette espèce de pression-là, de t'es obligé. La fête, s'il y a un point qu'un... c'est plus un événement tant que ça. Mais je pense que c'est pour ça que j'y prends Noël, parce que c'est le fun de pouvoir avoir une ambiance. Pis tout de c'est cool. Fun d'avoir des points de vue différents. Là-dessus. Ouais, mais c'est ça, c'est cool. C'est cool. On n'a pas la même façon de voir les choses. Puis j'ai encore oublié. T'as encore oublié. Fait que... Hey! Teal, c'est toi qui as eu l'idée en plus. Tu vas t'amuser au montage, ça me dérange pas. Oui. Dernière question. Ouais. C'est une question de Laura Gabriel. Préfères-tu revivre le pire jour de ta vie ou ne plus te souvenir du meilleur jour de ta vie? C'est très simple comme question. Je préfère ne plus me souvenir du meilleur jour de ma vie parce que de toute façon, tu vas en vivre d'autres. Ouais. J'ai vécu plein de choses. C'est peut-être pas le meilleur moment, mais je garde quand même. Puis je m'en souviendrai plus. Fait que that's it, c'est pas grave, je m'en souviens plus. On s'en fout. T'es pas là en train de te dire « Ah, je me rappelle plus du meilleur... » Non, c'est juste que tu t'en rappelles plus. Prose, là-bas! C'est la dernière carte. On close ça. Bring it. La dernière. Prose! Oui. Retourner vivre 100 ans dans le passé ou aller vivre 100 ans dans le futur. Oh, moi c'est 100% clair dans ma tête. Vas-y. Je m'en vais 100 ans dans le futur. Moi aussi. 100%. Moi aussi. On est grandi dans un environnement qui nous pousse à vouloir aller voir qu'est-ce qui s'en vient. Ça se peut que ce soit encore pire que c'était il y a 200 ans, mais
S'il y a des gens qui jouent à mon jeu dans 100 ans, ils vont pouvoir se dire que la vie était pas si pire en 2019. C'est que eux vont répondre en tenant 100 ans. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, c'est ça. Hein, mon jeu s'adapte. En tant que travers. Yes. J'espère que ça leur donne le goût au monde qui avait pas vu le jeu de vouloir l'acheter, en avoir parce plus. C'est ça le but, tu sais. On veut un maximum de cash. C'est fun pour le vrai. C'est un beau cool jeu qui est le fun à jouer en groupe. Ouais. Exactement. Merci. Merci de m'avoir invité à ton setup pour ta chaîne et d'être venu sur ma chaîne. Au plaisir d'en faire d'autres vidéos ensemble. Yes! Dans un futur proche. Tu finis comment des vidéos toi? J'ai fini un peu n'importe comment d'habitude. Ah ouais, c'est comme ça. Tu sors Discord? Ben c'est cool. Hey, on sort Discord. Salut gars! J'espère qu'on va avoir l'occasion de faire d'autres vidéos. Mais j'espère que ça t'a plu aussi. Ben oui. Donc tu sais, quand tu sais pas comment finir la vidéo, c'est incroyable.